Allô, ici Étienne 907, PSPQC. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Pal World. J'ai vu qu'il y avait une couple de mises à jour, dont des items assez intéressants dans la technologie, comme la structure, la carrière de cuivre, ce qui permet de faire en sorte qu'il y ait des pales mines du métal là, au lieu de pouvoir construire une base en particulier où ce qu'il y a des. Je vais te dire, mon cerveau est au ralenti. Au lieu de construire une base où il y a des pierres de ce genre, donc j'ai peut-être besoin de me battre contre un boss. Je me suis dit aussi bien commencer la game avec un fight de donjon, tiens. J'ignore si je vais y faire un gros dégâts, mais on va s'essayer. Le Monsieur Bushi. Monsieur Bushi, où? On va essayer de le capturer, on verra si je vais être capable. Essayons de prendre un bal qui a pas d'attaque de feu, parce que. Aïe aïe, non! Je fais plus de dégâts vu que j'ai enlevé 4 S qui me donnaient des dégâts de feu. Damn it! Allez, 4 S, diminue-moi cette santé-là. Je pourrais y lancer une balle. Ah, pas long. Allez, non, il m'a touché pareil. Salaud. On va utiliser une balle un peu plus forte. Tiens, oui. Ah, shit. J'ai commencé à faire des tétraballes. On va voir combien de pourcentage. 40% dans le dos. Le 100. Et le 1. Et le 2. Nice. On a capturé un autre boss qui est un Bushi. C'est un bonhomme qui était intéressant aussi que je voulais bien capturer. Et comme j'ai eu ce que je voulais, allons chercher la carrière de cuivre. J'ai du tête, oui. Oui, as-tu vu que j'ai essayé de le viser? J'ai essayé de le tirer. Ah, il a pas fini de reloader. Wait, what? Ça se fait hot comme attaque. Ah non, je l'ai tué! C'est pas grave. Ça me fait penser un peu au docteur à l'époque médiévale avec leur bec. Augmenter la durance. Ok, j'en vois-tu d'autres dans le coin? Oh, je vois un coffre par contre. On va utiliser mon cher oiseau. Je vois un œuf électrique. Qu'est-ce que c'est? Oui, un œuf électrique. On va aller chercher ça. Terry, s'il te plaît. Un gros œuf cliquetant. Cliquetant! Voyons voir si je ne vois pas d'autres trucs autour. D'ailleurs, y a-t-il d'autres boss proches que je pourrais essayer de battre? Y a le Fanglope. Essayons d'aller vers lui. Y a des nouveautés comme des raids, mais ça, j'ignore comment y les accéder. Je crois que dans la technologie, il y avait ça de plus en plus. Nuage orage. Rejoindre le premier camp à proximité. Vraiment, ça, c'est comme une téléportation proche. Là, j'ai accès à la source d'eau chaude réputée. Grenade à fragmentation, intéressant. Oh! Une selle pour lui. Un ensemble de meubles décoratifs ne donne pas l'heure. Dommage. Mais bon, on est parti. On va essayer d'aller chasser d'autres boss. Pour
pouvoir débloquer des skills, des inventions plus spéciales. Pétalia, probablement, je serais capable. Puis Fanglop aussi. On va aller en direction de Fanglop. Allons en sa direction. Flèche que je n'utilise plus. Un arbre de skill. Je viens aussi en fixer le problème avec les statues. Ou est-ce que finalement ça augmentait pas la chance d'attraper là. Je l'espère. Oh! Des Relaxosaurus. Relaxosaurus. Bonjour vous deux. Dorme. Je pense qu'il y a un campement pas loin, on va aller voir. Oui, un campement. Faisons. Pourquoi tant de haine envers ce pauvre petit lamball? Ah, ils ont changé. Damn! Ils ont peut-être changé le. Comment je fais pour checker ça? Tu F? C'était pas ça. Reviens donc ici, toi. F1, F2, U, okay. F. Il y avait une façon de voir. Ouais, parce que là, il attaque vraiment tout ce qui bouge. Ok. Appelle un pal instruction. Ah, d'accord. Donc là, c'est rendu qu'ils vont juste attaquer tout ce qui bouge. Alors, intéressant. Ok, un petit peu. Par contre, toi, t'es en danger de mort contre les autres. Tu risques de mourir. Est-ce que je l'ai eu? Yes! Relaxosaurus, capturé! Elisabeth! Prendons la raquette. Aïe aïe donc! Enchurez tout le monde! Yes, sir. Good job. Bon, là, attends, tu reviens ici, là. Sont attaqués directement. Là, ça, j'imagine qu'ils vont arrêter. Il va-tu arrêter d'attaquer tout ce qui bouge? Parce que je veux pas qu'il attaque tout ce qui bouge. Sinon, j'en aurais pas fini. De me faire attaquer. Si je le vise, tu genre. Tu mets ton 4. Ouais, après moi, il faut que je tire dessus avant que le combat commence. Oh, 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 oh! Ma pauvre Elisabeth, elle se mange des dégâts de feu. Je change de pal. Allez, feu contre feu. Non, tu fais pas tant de dégâts que ça, mais... Tu sais, dans le ciel. Ok. Wow, what? Qu'est-ce qu'on m'a fait reculer de même? Ok. Tress. Faisant de la chair à pâter, s'il te plaît. Je pense qu'il est pas guéri. Un organe d'allumage. Oh, je pense qu'il est plus bugué. Oh, il est souvent du blind. Oh, ça. Les lapins, mange-le les lapins. Yeah! Yes, though. Bonjour, petite flambelle! Je vais te libérer, petite flambelle!
Good, good job. On est mort. Là, j'allais en direction du nord. On va reprendre la merde. On va tourner en direction du boss. La mort. Désolé de l'attente énorme. Je me suis. Mon frère m'a demandé oh, pourquoi tu joues plus à Palworld. J'attendais des mises à jour un peu. Faut pas non plus que je m'étende trop vite du jeu, hein. Faut pas. Il ne faut pas cette année du jeu. Bon, je suis sûr, je vais être en haut. Ouais, what? Un lamball. Aïe aïe. Il est quasiment mort, on va en tirer un autre. Allez, reload moi ça. Pourquoi j'ai frappé, en fait j'ai frappé quoi en hauteur? Bonjour toi. Aïe toi. Boom. Ah ouais. Feu contre du feu. On va voir c'est qui gagne. Je mets la main contre mon Van Wyrm. Pas tant de dégâts que ça, c'est rien. Ouais, on va l'aider un peu. Bon, on va aller libérer pareil le Lamball. Même si c'est juste un lapin. Non, un lapin, juste le moins un mouton. Petit mouton. Hey, liberté au mouton. On va voir. Je suis juste à côté. Ah, il est sous terre. Il y aurait peut-être une grotte. Peut-être une grotte à quelque part. Ouais. Donc, j'appelle moi. Et probablement plus par ici. Ça me semble qu'il y a une grotte en bas ici. Ouais, derrière la chute. C'est pas derrière la chute. Oui, c'est direct ici. Galerie de la cascade. Oui. Ok. Bon. Allez, reviens-moi. Non, je ne vais pas te sortir, toi. Reviens ici, toi. Merci. Un peu de munitions, mais c'est pas grave. J'ai bien hâte de pouvoir passer à la prochaine arme. La prochaine arme à feu que je vais avoir. À quoi tu ressembles? Ah, t'es tombé tout petit! T'es tout petit! Eh, hey, ouais, balle dans la fesse. Enveloppe. Bon, j'ai une balle dans la tête. C'est pas trop petit dégât, toi. Hein? Poison. Aïe aïe. Allez, reload. Ça fait pas beaucoup de dégâts, ma chère Elisabeth. Ça a l'air d'être attaque poison sombre qui fait des dégâts. J'ignore c'est considéré comme quoi cette attaque haute là. Quasiment je regarde, mais je prendais comme pas la chance de le laisser me viser comme ça. Oh! Reloading. Reloading. Pew! Bon club. Boom! Aïe aïe. Heureusement, ils font pas trop de dégâts. Je sais pas combien de pourcentage, 7.
puis avec ça, 32. Quand même, une très bonne différence, sérieusement. Ok, bientôt, Elisabeth. J'irai même tout de suite. Je suis une balle bien normale. Je voulais voir si je pouvais me mettre dans son dos, mais il a l'air à se tourner avec moi. Oh! Et voilà, on l'a eu. Plus simple. Good, good, good. Voyons voir. Il y avait une autre technologie qui pourrait être intéressant à capturer. Qu'est-ce que c'est là? J'aurais ça là, il faudrait que j'aille chercher le cuivre niveau 2. C'est très intéressant à voir. Plan de barrette à plume. C'est un plan pas très intéressant. Est-ce que je peux péter ça? Je penserais pas. Ouais, d'accord. Et bien ça, on s'entend, c'est pas très intéressant à aller chercher. Bon, je peux sortir. Non, ça sortira pas facilement avec ça. Ok, ça vient ici. Go, go, go. Un autre boss de fête. Petit d'autre, il y aurait Pétalia qui pourrait être intéressant à essayer de faire. Lui, ça va être bientôt. Je dirais que je devrais être capable. Non, pas long. Silex. Il y a celle-là qu'il faudrait que j'aille faire aussi un moment donné. Oh! Wyvern, ce serait un que je préfère. D'accord. Je pense que je vais faire. On va faire l'épisode ici. Donc, il y a quelques changements de fait. Qui ont l'air d'être assez intéressants, comme les nouvelles technologies qu'il y avait dans les antiques. J'ai pas regardé ici s'il y avait des nouvelles technologies. Ça, je vois pas de nouveautés. La selle de Fangloff. Hein. Alors là. Non mais j'ai lancé la selle, le Fangloff. Plantation de tomates, non. Grenade électrique. Chaîne d'armes. Je pense que j'avais besoin de ça aussi. Un ensemble de contenants permettant de stocker des objets. Oh, ok, c'est un plus gros coffre. Cool. Ensemble de chaises et de bureau. Pioche en métal raffiné. Oh. Oh. Il va y avoir des nouvelles, des prochains trucs mûches. J'ai de la misère à parler ces temps-ci. Les prochains métaux, je vais avoir besoin. J'imagine ça doit être probablement métal et charbon à utiliser. Un Laxorus. Je vais juste aller. Sais-tu quoi? Je pense que je vais prendre un petit moment encore. Juste un 10 derniers boss. On va aller faire un petit dernier patron. El Patron. Je m'en viens vous voir, El Patron. Domaine de Thérosaur. Entrez dans le donjon, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh, mais il est cute! Il est adorable! Je te veux! Pas mon équipe. Oh, un. Ça va faire beaucoup de dégâts, ça. Ça va être mes balles qu'il va falloir que je fasse le combat. J'ai bientôt plus de balles. Ça me prendra à pouvoir autant que ça me battre. Allez, montre-moi ce que tu peux faire. Toi à la place. Pas beaucoup de dégâts. Bon, j'ai plus de balles. Aïe, non. On va sacrer un coup. Aïe, oh, ouais.
j'ai fait pas beaucoup de dégâts, hein. C'est pas grave. Oups! Elle est fâchée. Elle est fâchée, Quivern. On va essayer de capturer sa place. Ouh! Feu! Ça fait moins de dégâts. Darkness. Oh! Oh! Le nuage me suivait! Oh! 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 Salut, la bête! Non, merci! Oh! Un chevêtement! Hey, nice! Good job! Ok! Ben! Sur ces trois captures de boss, on se revoit à la prochaine. Bye bye tout le monde!